S'il vous reste un jour à vivre sur Terre et que vous devriez faire un dernier repas, ça serait quoi? Tacos, pizza, kebab, légumes? En vrai, on va leur demander. On va demander à Younes et Myriam. Tu fais quoi? On va regarder Netflix. Stranger Things. J'avais une question pour toi. Ouais. Si on te dit c'est ton dernier jour sur Terre, il te reste un seul repas, tu fais quoi? Tu manges quoi? Mon dernier repas, après c'est fini. Plus de repas. Finito pipo. Ah, je te cache pas, ça va pas être équilibré. Hein. Il y a trop de trucs dans ma tête, Yassine. Je vous mets au défi, toi et Myriam, faites comme si c'était votre dernier repas. Allez acheter ce que vous voulez, vous revenez avec ce que vous avez acheté, on va voir. The next day. Myriam vient de me rejoindre, je balance aujourd'hui, elle s'est levée à midi. Hier, elle était à un mariage. Est-ce que t'as fait you, 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 you? Je vais pas le faire. Donc là, on se dirige vers notre dernier repas de toute notre vie. On a deux options. Soit on prend un giga tacos ou un giga truc, ou soit on prend plusieurs petits trucs. Genre pour se faire plaisir et manger un maximum de choses, on fait quoi? Plusieurs petits trucs, c'est logique, non? Vous allez manger comme des gros porcs comme lui là, allez toujours à pied. Pourquoi on va à pied? Bah pour brûler les calories. Logique. Ça commence, on a trouvé la boutique, alors explique. Là on va commencer par des pizzas et puis là on va choisir qu'est-ce qu'on va prendre. Pizza? Ouais. Yes, en plus ça coûte 5 euros les rails. Let's go. C'est parti, on va se prendre des petites pizzas. Bonjour. Ah, pas de filmer, ok. Ouais. Les pizzas sont commandées. Sur la porte, il y avait marqué salade. Ouais, le monsieur, il veut pas qu'on filme, donc on respecte. Mais c'est bizarre qu'en 2022, il y a encore des restaurateurs qui n'acceptent pas qu'on filme. C'est vraiment bizarre. Mais bon, on respecte, tu connais. Là, on se dirige à la boulangerie. Ouais. Parce qu'il faut du sucré, frère. On passe devant un kebab. Est-ce qu'on prend un kebab? Mais non, c'est ton dernier repas. On a déjà pris des kebabs. T'es sûr? Mais oui, viens, on y va. Vas-y, bah, on avance juste là, il y a une boulangerie. Oh là là, on va faire un massacre, les gars. La boulangerie, c'est mon endroit préféré, c'est trop sous-côté. Regardez, on voit les pâtisseries d'ici. Tu sais quoi prendre avant ou pas? Franchement, vas-y, go. Let's go. Oh là là. Vas-y, avance. Tu vois, on a bien fait d'attendre, il y a des sandwichs. Incroyable. Voilà, c'est commandé. Allez, on décale, au revoir. Oh, il y avait même des gâteaux. En tout cas, là, la famille, on va se mettre très 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 bien. Oh. Vas-y, tu peux sortir. Ensuite, prochaine étape. On fait quoi d'autre? On va chercher les pizzas. On va chercher les pizzas. Là, on a deux pizzas plus des pâtisseries. Est-ce qu'on rajoute des trucs ou pas? Parce que je sais que là, t'as vu, j'ai envie de manger plein de trucs. Mais je sais que je vais manger la pizza, je vais caler après les gâteaux. Je sais pas, les raies, je sais pas. Ouais, on garde ça, les pâtisseries et la pizza. Ça suffit, tu penses? Bah vas-y, oui. Au pire, si on a faim, on prend un Uber Eats encore. Ouais, c'est ta faim. Les gars, les pizzas sont là. Myriam, là, les pâtisseries, j'ai une idée. C'est le dernier repas, donc on est obligé de passer dans un dernier endroit. Bon, voilà, la famille, on a choisi. Il est juste sur la droite. Enfin, je sais pas comment on va porter parce qu'elle, elle a déjà ça. Moi, j'ai les pizzas. Mais bon, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Moi, j'ai une main libre. Obligé de prendre du poulet, les gars. Le poulet, c'est la vie. Salam alaikum. Alors, qu'est-ce qu'on prend, Myriam? Il y a des saucisses, du poulet. Non, ça c'est trop gros. En vrai, faut qu'on prenne les. Tu vois les wings là? Les vrais wings. On prend ça? Non? C'est là. Ouais, du poulet quoi. Mais pourquoi vous êtes dégoûté? Ah, c'est notre dernier repas, frère. C'est notre dernier repas, c'est la dernière fois. Mais non, c'est que pour la vidéo. Ah ouais? Bah oui. Mais en fait, je pensais dans ma tête, je me suis dit qu'un jour ça va vraiment être notre dernier repas, on ne saura même pas. Et imagine, dans mon dernier repas, je mange des lentilles et des carottes. Non, je pense plutôt que tu seras sous perfusion et tu n'auras pas de repas. Enfin, des vitamines. Alors avant de parler de quoi que ce soit, tu nous as dit un dernier repas. Je me suis dit, oh là là. Je voulais pas faire un gros giga tacos ou un gros truc. J'ai pris plusieurs petits trucs. Alors on a une première pizza, saveur poulet, champignons, lardons, fromage, pommes de terre et de la sauce crème fraîche. Ensuite on a pizza margherita, sauf qu'on a ajouté du fromage, un peu de pommes de terre et des lardons. Ici on a du poulet et des wings. En dessert on a un éclair au chocolat, un clafoutis à l'amande avec un croissant fourré de chocolat. Et nous avons un... Comment s'appelle ça déjà? Un expresso. Un expresso au chocolat. On n'a pas pris de boisson parce que moi, je suis pas du tout boisson. Et voilà. Alors, rien qu'au visuel, c'est les pires pizzas qu'il a commandé. Je sais pas, t'as commandé où, mais il y a plus de sauce tomate que de fromage. Ok. Donc du coup, moi je valide pas. Je valide pas du tout. Allez, moi je commence par la pizza blanche. Toi, commence par la rouge, Myriam. Je ne sais pas comment répondre à cela.
T'en auras pas toi, hein. C'est que pour deux personnes. Hein. J'ai dit bismillah, il a dit je sais pas comment répondre. Allez, Myriam, quand tu veux un big croc comme d'habitude. Pour notre dernier repas. Eh hey, attends, attends, c'est ton dernier repas hein. On va voir son croc. Bismillah. Elle a fait un plus gros croc que Younes. Non. Oh. What. N'importe quoi. What. Monte ta pizza. Attends, viens, on fait la monte ta pizza. What. Regarde. Elle a dépassé le boss. Elle a pas un plus gros croc que toi. Elle non. a pas un plus gros croc que égalité. Toi. Égalité. What. Égalité. Dites dans les commentaires, mais c'est égalité. Elle a dépassé. Elle l'a dépassé, ça y est. Et la pizza, elle est trop trop bonne. Merde. Ouais. Non, rien, rien, c'est bon. Ouais, il dit merde. Non, rien, rien, c'est bon, c'est bon. Y'a quoi. Non, y'a rien, rien. Alors, la pizza. Les pizzas, je pourrais en manger tous les jours. Les tacos, non. Les grecs, non. Des trucs, non, mais ça, c'est trop, trop bon. Tous les jours, je pourrais la fracasser. Ça, c'est pas du fromage, ça, c'est des pommes de terre. Ouais, c'est des pommes de terre. Moi, je vais prendre une où il y a des graves du fromage. T'aimes bien Maxi Halleuf, Myriam. Elle dit oui. Regardez. Ah. Elle est trop, trop bonne. Je sais pas pourquoi le monsieur voulait pas qu'on filme, mais c'est ultra bon. À peine on est rentré, il a dit non, on filmait pas. D'ailleurs, les personnes qui, en 2022, encore, qui disent on a pas le droit de filmer, ça, vous retournez dans les années 1910, c'est mieux. Non, tonton, en fait, si tu tombes sur cette vidéo, c'est juste que nous, on fait des vidéos YouTube. Et je trouve que quand on filme dans les restaurants, tu vois, ça donne un côté authentique. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça fait bien. C'est pas pour humilier ou quoi que ce soit. Même si j'aime pas, je le dirai pas en vidéo parce que c'est juste du respect. Et je dirais juste, c'est pas mal. Mais je dirais pas, ah, c'est dégueulasse. Là, là, là. À part si c'est un gros foutage de gueule. Donc voilà, c'est bien. En plus, on a le droit de se filmer nous-mêmes. Hein. Non, mais là, je vais filmer. En gros, t'as filmé comme ça les gens comme ça. Non, je rentre. Regardez, pas. Regardez, on a un monsieur. Comment vous appelez, monsieur? Non, même pas. Par contre, les abeilles, s'il vous plaît. Arrête. Non. Arrête. Non, Ram. T'es en jaune. T'es en jaune. Vas-y, tu. T'es en jaune. Pas me gâcher mon plaisir. Bon, Myriam, goûte la blanche. Dernier wings. Moi, je vous dis, ça serait mon dernier repas. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas de légumes, il n'y aura rien de spécial. Oh là là, la bouche, Donne-moi une part comme ça. Oh là là, comment ça passe crème, ça, les gars. Tu vas nous dire, Myriam, c'est laquelle ta pizza préférée, ok? Ah, c'est jambon. Ouais. Myriam, elle voulait prendre une margarita pour toi. Pour moi? Mais moi, je mange pas. Mais moi, oh, pas... le croc. What? Wow. Comment tu fais? Je me respecte pas, là. Alors, c'est laquelle la meilleure? La blanche ou la rouge? La blanche. Ouais, non, vous l'avez dit, les gars, les pizzas où il y a plus de sauce tomate que de fromage, moi, j'aime pas trop. C'est les pizzas authentiques italiennes. Hé, hey, mets tout le patate et va là-bas. Va avec tes amis. Allez, allez mangez. Vous mangez des fleurs. Va manger des fleurs. Va manger des fleurs. C'est du poulet. C'est pas pour toi. Tu fais pas de musculation, à ce que je crois. C'est la baisse, c'est du carnivore. Tu piques juste les gens. Après aussi, ils sont bêtes. Ils ont mis une nappe jaune, un t-shirt jaune. C'est normal. Eh hey, les abeilles et les moustiques, c'est les pires. Le moustique, il m'a fait le vaccin du Covid, 4 piqûres en une nuit. Il m'a rendu 3 oui, doses. Il m'a fait les 4 doses. Allez, ça c'est... Oh, je vais péter. Arrête. Est-ce que tu sais, Younes, qu'en Algérie... Ouais, Greg, ton poulet. Est-ce que tu sais qu'en Algérie, dans les boulangeries, il y a grave des abeilles. Non, ça serait votre dernier repas. Est-ce que vous partagerez, vous? Bah, logiquement, non. Ton dernier repas. Ah ouais. L'autre, il pourra attendre demain. Myriam, goûte le poulet, tu vas péter un câble. Ah, c'est archi bon. Je reconnais ce poulet, c'est sûr que vous avez été au poulet à côté. Au poulet rôti. Dans la ligne droite. Là. En tout cas, j'ai pas pris de frites parce que les frites ça cale pour rien. Tu souffles, je crois que ça va lui faire. Elle a peur d'une guêpe, d'une mouche. Vas-y, assieds-toi. Ah, les gars, c'est trop bon. Oh, mais attends. Quoi? Tout est halal. Il y avait marqué halal, arrête frère. T'as encore raté ton régime. Une guêpe. C'est pas vraiment ton dernier repas. C'est toi qui m'as dit. Sofiane Rabdan, bro, regardez bien. Non, c'est lui qui m'a dit. Regardez bien. C'est lui qui m'a dit. Regardez bien Sofiane Rabdan ce qu'il mange. Hein. C'est lui qui m'a dit. Oh, mais arrête ta guêpe là. Tiens la guêpe, je te donne Myriam. Ouais. Tiens. C'est pour ça que j'aime pas manger d'eau. Tiens la guêpe, tiens. Tiens la guêpe, Myriam. Tiens la guêpe, mange Myriam, mange. Tiens la guêpe, va manger Yassine. Vas-y, viens me manger. Vas-y, vas-y, arrête. Arrête. Tiens la guêpe, tiens. C'est pas une guêpe, c'est une mouche. C'est bête. Vas-y, assieds-toi, arrête de faire ton bébé là, il va rien faire la guêpe. En plus toi, tu t'es déjà fait piquer par une guêpe. Vas-y, on rentre à la maison, viens on rentre. Attaque de guêpe. Viens on rentre, si ce sera mieux, tu pourras ramener leurs potes, viens on rentre.
petit plat vidéo, on rentre. Ah, on est mieux à l'intérieur, c'est trop, les abeilles nous ont tués. Et je voulais vous dire, là, vous allez tous partir en vacances. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, boum. Non, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que cette vie, comme l'a dit Yacine, là, c'est le dernier repas. Mais en vrai, on rigole, mais en vrai, c'est vrai, un jour, ça va vraiment être notre dernier repas. Donc, même en vacances, n'oubliez pas de faire la prière et tout, c'est pas parce que vous allez à la plage et tout, vous allez oublier. C'est-à-dire, si la prière, elle est à 14h, elle est à la plage à 14h30, etc. Faites attention à ça, la famille. Et mangez bien, hein. Faites des régimes, des fois. Faites comme moi, un peu des régimes. Mangez équilibré. Ah, je me dis, comment elle peut manger comme ça et pas grossir, genre. C'est un glitch. Quand t'as un enfant, jusqu'à l'âge de 10 ans, tu grossis pas normalement. Ça dépend des gens. Il y en a qui grossissent, mais la plupart ils grossissent pas. Et à partir de 10 ans, là, tu peux plus te laisser aller sinon tu grossis. Parce qu'en fait, elle est en pleine croissance. Putain, j'aurais dû plus profiter quand j'avais 10 ans. Non, moi, t'inquiète pas que j'ai bien profité. Ah ouais, toi, c'était un fou de ouf. Même trop profité. Ça, c'est waouh. Par du sucré, je suis obligé. Et en fait, je viens de réfléchir là. Vous êtes des gens normaux, soi-disant, parce que vous pouvez manger que ça, après vous arrêtez. Mais parce que vous mangez ça tous les jours. C'est normal, tu manges que ça, après tu te dis, bon, c'est pas grave, dans 2 heures, je vais en reprendre. Moi, bon, c'est vrai qu'en ce moment, pas trop, mais je sais que je mange ça, et dans une semaine, je pourrais plus en manger, donc c'est pour ça que je mange tout. C'est bon, j'ai trouvé une... Le mieux, c'est de pas en manger du tout, ça t'es tranquille. Ça, c'est un pain suisse. C'est vraiment trop bon. Bon, il va tremper l'expresso. Après, ça serait vraiment mon dernier repas, j'aurais pris tout mon temps. Bismillah. Est-ce que t'as le droit, genre, si on t'est condamné à mort, tu dois mourir le lendemain, on dit t'as un dernier repas, ton dernier repas, ouais. tu le manges pendant une semaine, t'as le droit? Bah non. Tu retardes. Regardez ça. Croissant au Nutella. Croissant normal, je déteste, mais dès que j'entends du Nutella, je me suis dit, ah! Ça, on devrait me prendre le gouvernement de la tactique. J'ai des tactiques, qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a du Nutella dedans. On m'a goûté. Moi, j'ai pris ça. Et bien évidemment, si c'est ton dernier repas avant de te faire exécuter, t'as le droit d'aller aux toilettes. Bah ouais. Ça veut dire aux toilettes, tu peux t'évader. Ça, je suis le roi de la tactique. Comment tu peux t'évader, t'as rien? C'est incroyable. Et t'as rien aux toilettes? Moi, je suis le fuego, je m'évade quand je veux. Et on finit par ça, les frères. Comment tu peux t'évader? Je suis pas trop abricot, je suis pas trop... Ça, c'est un clafoutis. Tu sais, ouais. C'est dans Harry Potter, les clafoutis. La pute, moi, je suis plus chocolat. Ça, c'est les Anglais, mangent ça, les clafoutis. Tu vois, ça c'est pas incroyable. Moi je suis trop un mec du chocolat. Et toi, il est bon ton éclair? Pas trop. Bon, la famille, nous on va vous laisser là. On va finir de manger pour notre dernier repas. Je trouve que c'était incroyable. Mettez en commentaire votre dernier repas et on fera un 24 heures avec tous vos repas. Film. Ramdan et Sofiane, c'est votre frère Younes. Je vais manger ça, les gars. Épinards, poulet. C'était pas. Le mec qui est juste avant, c'est un mec qui me ressemble, mais c'était pas moi. La jet, les gars. Hein.